Bonjour à tous, c'est le Chablon Mélanique et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto express où je vais vous montrer comment installer un XLM pour les templates sur Mode Studio 2. Voilà, donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc un XLM, c'est ce qui vous permet de pouvoir avoir les templates dans Mode Studio 2, comme par exemple ici, si on fait nouveau projet ici, on va faire pour truc. Voilà, on va aller dans avancer truc skin. Et vous allez voir ici, j'ai cette liste ici. Voilà, je vous laisse le temps de regarder un petit peu. Et moi, ce que je voudrais bien, c'est avoir les templates pour le Duff NTT. Donc, ce que j'ai tout simplement à faire, c'est me rendre sur le Discord de Mode Studio 2, où ils en ont pas mal. Donc, le mien, il se trouve juste ici. Voilà, celui que j'aimerais bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger. Voilà, une fois que c'est téléchargé, je vais tout simplement aller sur mon icône ici, sur ma barre de tâches de Mode Studio. Je vais cliquer droit ici sur Mode Studio 2 et je vais aller dans Propriétés. Ensuite, je vais faire Emplacement du fichier. Voilà. Je vais retourner sur Mode Studio 2 en cliquant dessus. Je vais ensuite aller dans Data. Ensuite, dans Mode Data. SCS. Vehicle. Et donc ici, nous avons tous les véhicules qui sont installés. Et c'est donc ici que vous viendrez les installer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes téléchargements. Hop, je vais le couper. Tac. Et je vais venir le coller dedans. Hop. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il vous suffit maintenant de redémarrer Mode Studio. Il veut bien redémarrer, merci. Ah voilà. Et logiquement, si tout s'est bien passé, si on fait un nouveau projet, hop. Alors par contre, le NTT, je ne sais pas si c'est de l'avant-7 ou du simple, donc on va regarder dans l'avant-7, on verra bien. Et bah oui, il est là. Voilà, il est bien ici. Et voilà, et vous pouvez ajouter vos choses tout à fait normalement. Et ça se passe de la même façon pour ATS, pour les remorques, même pour les voitures et tout ça. Voilà, tant que vous avez le bon XML et les bons templates, après ça c'est vous de les trouver aussi, parce que bon, ça les templates c'est un truc à part, là c'est vraiment les trucs pour les pièces de véhicules et tout, donc voilà. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était le Chablon Mélanique, ciao ciao.